amis, sache que cette chaîne contient plein de nouveautés sur les jeux vidéo. Donc si tu ne veux rien rater de l'actualité, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications avec la petite clochette et si tu kiffes, un petit pouce bleu. Pouf pouf YouTube, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Arma for Life. On est avec une nouvelle dépanneuse Volvo. Comme vous pouvez le voir, elle est très jolie. Merci à ceux qui l'ont faite, je sais pas du tout qui c'est, je regarderai. Je vais faire le point de tout ça, comme on dit. Bon, on va partir sur une petite intervention parce que le collègue il nous a dit qu'il pouvait pas faire monter le véhicule sur le Volvo. Donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, on est parti. Check tout ça. Bon YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Racontez-moi un petit peu dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, la chaîne et tout. Je trouve qu'on évolue pas mal, on est passé à 107 abonnés. Je vous remercie tous. Bientôt le concours pour les 100 abonnés. À 120, on fait un concours pour les 100 abonnés. Il y aura quelque chose à gagner, mais je dis pas quoi. Je vous ai pas oublié. Il y aura quelque chose à gagner, mais je dis pas quoi. Ça sera la surprise des 120 abonnés. Et ne faites pas des comptes fail pour essayer de vite monter, pour essayer d'augmenter la chance de gagner ou quoi que ce soit. Ça marchera pas tout ça, hein, croyez-le. Je vérifierai, parce que j'ai la possibilité de vérifier en tant que youtubeur pour voir depuis quand les gens sont abonnés. Donc si c'est rembiné 2 jours avant le concours, des choses comme ça, tout ça, et que voilà, il a jamais regardé les vidéos ni rien. Si c'est que du fail, vous m'avez compris. Je les éliminerai automatiquement. Moi, je veux que ceux qui gagnent soient des vraies personnes qui regardent les vidéos. Si vous regardez les vidéos, c'est que ça vous plaît. Donc, si ça vous plaît, ben, automatiquement, moi, je suis content. Voilà. Donc là, je peux pas vous dire mieux. Franchement, on n'est pas là pour se moquer, pour faire des trucs. Nous, on est là pour faire quelque chose de chouette, de propre et tout. Donc, voilà. Allez, on va aller voir tout ça. Hop. Bon collègue, on va voir tout ça du coup. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien monsieur? Oui, bon, ça va, oui, je viens d'acheter une nouvelle voiture, c'est pour ça que j'ai demandé à votre collègue si c'était possible de me ramener mon X6. Ah ok, donc ça c'est un X6. Ah ouais, sans indiscrétion monsieur, il coûte combien? 850 000, je viens de l'acheter aussi. Ah ouais. Vous permettez que je fasse une photo monsieur? Allez-y, allez-y. Il est super beau. J'ai Merci. l'intention de m'en acheter un. J'ai un petit coup de cœur sur la 205, je préfère, c'est plus de ma génération et. Oui, je comprends. Mais après c'est très joli aussi, avec ce 6, Ouais, hein. ouais. C'est magnifique. Bon, s'il y a le moins de problèmes, monsieur, j'ai ma GoPro qui est allumée volontairement pour éviter tout problème. Parce qu'on a un nouveau D'accord, ouais, je véhicule chez les comprends, vous êtes dépanneurs. un nouveau véhicule, ouais. Donc voilà, on sait pas si ça va monter. Mon collègue me disait qu'il avait eu un problème, du coup on a fait venir l'autre plateau au cas où. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, s'il y a le moindre problème avec votre véhicule, je vous donne ma plaque, regardez. Comme ça, la GoPro, vous me D'accord, demandez et ok. puis je vous donnerai. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi on n'est pas là pour essayer de. Malheureusement, on ne peut pas avoir tous les véhicules pour Ouais, tester, bon. donc ça nous prend tellement de temps en fait. Ouais, je comprends, je comprends. Voilà monsieur. Donc c'est le quelques. On vous ramène la voiture ici? Le X6, plutôt, moi la Ok. 205, je vais la garder, je vais vous suivre, puis je Ok. vais la Vous ramener dans le parking. pouvez nous donner les clés s'il vous plaît à moi et à mon collègue? Oui, bien sûr, attendez. X6. Voilà, merci monsieur. C'est Voilà, vous avez parfait. les clés tous les deux. Ok, merci. Du coup, on va. Ouais, on va commencer, on va essayer, collègue. Tu peux essayer d'avancer le 4x4, de te mettre derrière la dépanneuse, on va voir ce que ça va nous faire. Je vais décaler ma 205 au cas où.
Ouais, je vous laisse vous mettre sur l'autre dans le dans la dans la contre-allée là-bas au pire. Y a pas de souci. Allez-y, monsieur, allez-y. YouTube, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce 4x4, je veux me l'acheter. YouTube, on va aller se l'acheter juste après. Qu'est-ce que vous en pensez? Recule un peu peut-être? Recule un peu peut-être? Ok, attends, je vais voir s'il n'y a pas un menu dans le véhicule, on sait jamais. Est-ce qu'on peut pas monter? Pourquoi on peut pas monter? Alors, éjecter, siège passager, patati patata. Ok, alors, avance-toi un peu. Alors, est-ce que j'ai le menu là? Non, toujours pas. Ok, donc ça veut dire que sur le X6 ça monte pas. Ok, donc je vais bouger, tu vas avancer sur l'autre, on va voir. Recule un poil. Voilà. Est-ce que là tu peux? Tu peux pas non plus? Non, j'ai même pas le... Attends, j'essaie de... T'as dépanneuse ouverte? Ouais, j'ai pas dû la fermer. Attends, Attends, voilà. regarde. Ah non, là, elle est ouverte. Attends, je teste. Est-ce qu'on peut faire charger depuis ici? Non, non plus. Ok, alors ce qu'on va faire. Bon, je vais. On va laisser une des deux dépanneuses ici. Ok. Je vais prendre le 4x4. Je vais le dire au monsieur, je vais prendre le 4x4. On va aller au QG. Comme ça, il va pouvoir le ranger ou. Et puis on revient ici chercher l'autre dépanneuse. Je te laisse. Attends, je ferme la DP. Voilà. Monsieur, vous préférez qu'on vous l'amène au garage de la Trinité ou bien au garage chez nous? Ouais, chez vous, comme ça je pose la 205 au garage et puis je viens le chercher quoi. Ok, pas de problème. C'est comme vous voulez, sinon vous l'amenez à la Trinité. Non, bah on peut aller, non, bah au QG, y a pas de souci, on Ok, sort bah au c'est QG. parti. Du coup, on va aller au QG. Je vais le conduire moi personnellement, si ça vous dérange pas. Non, non, bah, du tout, je vous fais confiance, Vu hein. que. Non, vous inquiétez pas, on fait au mieux. Hein. Parce que visiblement ça n'a pas l'air de monter, donc il faut que je voie avec le fabricant. Bah sinon, si vous voulez essayer avec la 205, peut-être que c'est le véhicule lui-même qui fait que... Ouais, mais c'est peut-être le véhicule, c'est pour ça que je vais essayer. Ouais, on peut essayer avec la 205, remarque. Ouais, attendez, je... Collègue, Ouais. on va essayer de mettre la 205 sur l'autre plateau. Ok. On va voir, vas-y, essaye. Je te laisse tester. Je voulais laisser ouverte. Non plus? C'est pareil? Ah si, celle-là elle monte. Parfait. Bon ben voilà, écoutez. Bon ben au pire on va partir comme ça, hein. Ouais, nickel. Je vous laisse prendre votre véhicule du coup Ouais. et nous suivre. Ou Pas de souci. passer devant au pire comme ça au moins. Y a pas de souci, oui, au pire, je vous rejoins là-bas. Ok, allez à de suite. Ouais, du coup, collègue, on va jusqu'au QG, hein. Ouais, c'est reçu. J'ai l'impression que le plateau que j'ai, moi, il est vachement plus long, en fait.
à se demander si on peut pas mettre deux véhicules. Après, je crois qu'il y a des camions qui vont dessus. Mais d'après ce que j'ai compris, les poids lourds n'y vont pas. Il y aurait que les utilitaires, comme Mercedes, Sprinter, des trucs comme ça, quoi. Parce que Fabrice me disait qu'il avait fait des tests et que justement les poids lourds ne montaient pas. C'est embêtant si le BMX 6 il monte pas. Va falloir voir ça après, je vais regarder. S'il monte pas, c'est-à-dire qu'il va falloir que je le rajoute dans un véhicule qui monte pas, qui sont pas pris en charge quoi. Salut à toi. Salut, tu veux être en DP ou dire? DP si possible. Tu passes en DP, hein. Bien pris. Juste pour te dire, s'il te plaît, on a un nouveau véhicule qui sont arrivés chez les dépanneurs. Ouais, j'ai vu. Donc on est en Quoi train de comme faire des véhicule qui tests. passe pas? On a pas mal de véhicules qui ne passent pas. Par exemple, là, on a testé sur un BMX 6, il monte pas sur la dépanneuse, tu vois. S'il est explosé ou il monte pas? Non, il monte pas. Faut qu'on fasse plein de tests parce que. Affirme. C'est pour ça que là, en quelque sorte, comment te dire, en langage courant, je vais tester sur le continent, je pense. Ça va être plus simple. Est-ce que quelqu'un peut juste noter s'il vous plaît sur comment ça s'appelle sur le doc mon V s'il vous plaît parce que j'ai un problème avec ma touche V sur mon téléphone. Ouais, attends de quelques minutes, s'il te plaît. On arrive là, on finit un Ah truc ouais. et on s'en occupe. Je vais prendre cette dépanneuse vu qu'elle est ouverte. Ouais, c'est ton collègue qui a les clés, de toute façon, donc tu pourras. Façon, là, il n'y a pas visiblement d'appel, hein, j'ai vu avec le central. Et puis, on va voir tout ça. Voici pour vous, monsieur. Je vous laisse vous mettre dans le garage Comment ici. on fait pour activer les gyrophares sur ce truc? Les gyros fonctionnent pas non plus. Ah, la déception. Il faut leur en parler au gouvernement. Hein. Je Ouais, pense que moi c'est pour aussi, ça. quand On je l'ai fait des ouvert, tests ouais. là, c'est pour ça. D'accord. Je prends une autre DP. Alors, du coup, je vous dois Parce que moi, combien pour chargement, à ça peu près? explose avec cette dépanneuse. Donnez ce que vous voulez, monsieur, franchement. Je peux avoir votre trip, s'il vous plaît? Ouais. Elle est jolie, mais s'il n'y a pas de Je gyro partagerai qui avec peut mon mettre collègue les de toute façon. véhicules, on galère un peu. Ouais, c'est pour ça les gars, notez ce Voilà, qu'il vous tenez. pense. C'est qui a Merci pété monsieur. les panneaux? Je sais pas, moi je viens d'arriver. Sais pas, quand je suis arrivé, c'était déjà comme ça aussi. Bon ben voilà monsieur, vous avez le garage juste ici, regardez, si vous voulez l'arranger. Oh bah je vais la prendre, je vais aller rouler un peu avec. Ok, mais le 4x4 vous avez qu'à le rentrer si vous voulez pour le ranger. Le 4x4 il est déjà rangé au garage près de l'aéroport. Ah ok, pas de problème. Ok. Bon ben, j'ai rien dit du coup. Je vais vous ouvrir le portail. Merci. Normal que je ne sois pas dans la ligne d'émergence. Au revoir. Au revoir, merci. Bonjour monsieur. Ça va, Samy? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? Vous faites quoi, monsieur? Bah rien, je viens de dire bonjour. Ah, c'est gentil, merci. Bonjour, monsieur. Respect. Voilà. On a des nouveaux véhicules chez les dépanneurs, je sais pas si vous avez vu.
On est en train de faire quelques vérifications techniques, on va dire ça comme ça. Tu viens de chercher comme la fois dernière. Ouais, c'est quelle voiture ça? Ah oui, c'est l'ancienne celle-là, ouais. Non mais fais pas partie de nouvelles arrivées sur l'île. Bon allez, on va voir tout ça. Bon courage, monsieur. Ici qui gêne. On va attendre que le truc s'enlève en bas. Prise de service de DP1. Oui, c'est reçu, bonne patrouille. Voilà. Quelques belles petites photos. Bon, du coup. Du coup, ok. On va check tout ça. Bon, sur ce YouTube, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Un nouveau véhicule qui est arrivé chez les dépanneurs. On va faire des tests, donc je vais pas vous embêter avec ça sur la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est le cas. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!